Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler plaques. Les plaques pour les machines de découpe. Donc voilà, j'ai testé un truc et qui a très très bien marché. Je ne l'ai pas testé hier ou aujourd'hui, je l'ai testé, ça fait 2-3 mois que je teste et ça n'a pas cassé, ça n'a pas bougé. Donc aujourd'hui, je vous fais juste la présentation et je vous montre comment ça coupe. Et dans une prochaine vidéo, je vous montre l'astuce, je vous dis comment faire. Et où trouver ça et tout, quoi. Je vous parle de tout. Donc, on a toujours des problèmes avec nos plaques. Moi, les miennes, elles sont toutes, vous voyez, toutes fissurées, toutes. Bon, je fais très doucement, comme ça, je les garde le plus longtemps possible, mais je sais qu'il y aura un moment où ça va craquer. Une bonne fois pour toutes, d'accord? J'attends toujours. Alors, voilà ma nouvelle plaque. Elle n'est pas grande parce que je n'ai eu que des petits morceaux parce que ça a cassé pendant le transport. Voilà, je vous montre ma plaque. J'ai vraiment fait attention que ce soit vraiment, vraiment exactement la même épaisseur et c'est exactement la même épaisseur. Alors dans la prochaine vidéo, je vous dirai c'est quoi exactement l'astuce. D'accord? Pour aujourd'hui, je vous montre juste. Voilà. J'en ai déjà fait une petite sur laquelle j'ai testé. Voilà. Elle est pour la Love to Craft. J'avais fait celle-ci. La seule bêtise que j'ai faite, c'est que j'ai coupé directement dessus alors qu'il fallait protéger, juste protéger pour la garder neuve. Donc, voilà. Donc, je vous disais, ça fait 2-3 mois que je teste avec ça, que je travaille continuellement avec ça et ça marche impeccable pour la petite. Pour la grande, j'ai fait celle-ci. Bon, ma plaque a cassé pendant le transport, comme je vous disais. D'ailleurs, celle-ci aussi, elle est, vous voyez, elle est fissurée ici et quelque part aussi. Mais ça n'empêche pas qu'elle fasse son boulot exactement comme il faut. Donc voilà. On a tous, la plupart, elles ont toutes ce die. Elles savent très bien que ça ne coupe pas très bien. Et puis quand on coupe, ça colle, ça se déchire. On va le tester. D'accord? Alors j'ai pris la neuve. La neuve, déjà, regardez, elle prend toutes les marques alors qu'ils sont à l'envers. Ils sont pas à l'endroit. Et regardez, ça marque. Donc déjà, c'est pas grave. Nous, on va juste tester. Voilà, le premier, l'aller et le retour. Donc, voilà, espérons que ça marche quand même. Voilà, vous voyez déjà que la plupart des découpes sont là. Là maintenant, on va essayer de retirer ça. Et ça se retire facilement. On n'a plus que ça. Juste à faire ça. Et tout est retiré. On n'a même pas besoin de nettoyer quoi que ce soit. Donc, elle est nickel, la découpe. Pour ce qui est resté ici, d'habitude, vous me voyez galérer dans l'ex vidéo avec ça, à nettoyer. Ça ne voulait pas partir. Là, je fais juste ça.
ça ne colle pas comme avant. Et mon die est propre. Voilà. Donc, je n'ai plus qu'à nettoyer ça. Donc là, je précise pour les celles qui n'ont pas regardé ma vidéo où j'employais ça. C'est un morceau de simili-cuir, de sky, mais qui est très souple, comme un tissu épais, exactement. Et ça a comme de la feutrine en dessous. Donc voilà, elle est assez épaisse. Et voilà. Ça ne coupe pas mon tapis, ça ne coupe rien du tout. Donc, et j'ai... Alors, je vous parle juste un tout petit peu de ça. Ça, c'est de la récup. Donc, vous n'aurez rien à acheter. C'est de la récup que tout le monde peut trouver. Je vous donne des indices. Voilà. Je vous fais languir pour vous donner la recette. Parce qu'il y en a qui s'abonnent, qui prennent l'idée et qui vont la mettre sur leur chaîne pour dire que c'est à elle. Mais c'est pas grave. Pour moi, je sais que c'est moi qui a fait une chose. Je suis tranquille. Ceux qui prennent l'idée et qui disent que c'est la leur, ça ne me fait ni chaud ni froid. Donc voilà. Mes abonnés savent très très bien d'où vient l'idée. Et d'ailleurs, il y en a une fois, ça m'a fait vraiment très 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 plaisir. La dame disait qu'elle a trouvé l'idée et tout machin. Et dans les commentaires, il y en a une qui lui a dit « J'ai vu ça sur une chaîne marocaine. » Ça m'a fait vraiment très, très plaisir. Et c'est tout, ça s'arrête là. Je n'ai même pas mis de commentaires ni rien. Ça c'est pas grave. D'ailleurs, moi, je vous donne les idées. Je partage avec vous pour vous en servir. D'accord? Mais ça me fait un petit truc de voir que s'en servir, se désabonner et dire que c'est à vous, bon, ça reste entre vous et votre conscience. Moi, je veux faire plaisir à mes chers abonnés et je leur donne tout malgré tout ce qui se passe. D'accord? Donc voilà. Je vais préparer ma vidéo. Je vais préparer mon matériel et je vous dirai comment faire pour avoir ça. Et c'est vraiment impeccable. Ça ne se casse pas. Et je vais vous dire pourquoi ça ne se casse pas. Parce que, bien sûr, moi j'avais vu auparavant des vidéos où c'était le plexiglas qui a la même épaisseur et tout ça. J'ai acheté du plexiglas, ça n'a pas marché, ça a cassé. J'ai essayé la deuxième fois, je me suis dit peut-être que cette fois ça a cassé parce que le plexi n'est pas bon. J'en ai racheté encore et c'est des dépenses. J'aurais pu acheter une plaque neuve avec ça. Là maintenant, je vous donne la solution. Ne rien acheter. Vous l'avez tous ce matériel de récup. Je dis bien de récup. Et voilà. Donc voilà, je vous ai tout dit. Alors, il y en a qui. Bon, bien sûr, j'ai utilisé même ça. J'ai coupé en deux un tapis et je l'ai utilisé. Le problème du tapis, là, ça coupe bien, c'est vrai, mais ça coupe le tapis aussi. Ça laisse après des traces et puis ça courbe vachement les dies, les matrices de découpe. Donc, ça les courbe d'une fois, mais vraiment, ça courbe bien. Donc, dès que j'ai essayé, dans les premiers temps, j'ai laissé tomber cette méthode-là. Donc voilà, cette méthode, la méthode de ce que j'ai fait là, je vous dis, ça fait deux ou trois, d'ailleurs je pense que j'en ai parlé dans une des vidéos, sauf que bon, j'attendais la récupération de cette plaque là pour en faire une grande,
pour vous la montrer en grand, mais dommage que ça a cassé pendant le transport. Donc voilà. Mettez-moi un commentaire si vous voulez bien cette plaque. Vous voulez la refaire. Et je vous donne les astuces et comment faire. D'accord? Allez, au revoir et à bientôt. Bye bye.